Radar sight's still silent. Scramble. Get those birds in the sky. We're sitting duck. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Column squadron. A carrier? Whoa. Looks like the harbor's taking a lot of damage. You gotta keep an eye out for enemy bombers. Okay, here we go. Looks like bombers have been located. It's showtime, Trigger. Let's see if you can handle the spotlight. H2. H2, missile away. Box 2! Enemy support eliminated. This should make the job easier. Destroy the target. Target confirmed down. Looking good, Mage 2. Get your special weapon. Fox 3. Fox 2! Enemy bomber down. Nice going, Mage 2. Two new enemy groups. Mage 2, attention all combat groups. Are there any drones? Verify. Drones? Are you kidding me right now? Jesus, this is the kind of shit that really chaps my ass. UAVs. Si ça ne nous dérange pas pendant le débriefing, je vais me servir un café. Les Monty Electron Coupé. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Arugia has declared war on the Ocean Federation. Ça sent le. Enemy aircraft began. On s'en bat les couilles. Là, il me montre en gros les avions que je pourrais avoir. Ouah, je peux avoir un Mirage. Ah ouais, bah non, j'ai 43. Formidable. Il veut prendre un avion. Allez, bim! Ah, je peux tirer quand même avec mes missiles. Target destroyed. 5 to go. The enemy's barely resisting. This is easy money, so grab it while you can. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. Wilco, here they come. One side. Your eyes are on the hostile vessels connected to our entire force via satellites. It's reliable, so trust your friend. We're using the containers now. Those weapons are meant for tactical flexibility. Missile. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. Wilco, here they come. Take them down. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellite. It's reliable, so trust your radar. En fait, j'arrive même pas vraiment bien à savoir si mon missile est passé tant qu'il n'y a pas la cible qui disparaît. That radar was just about to go online. They pushed the plan forward too fast. Ils ont allié leur territoire. Me coller dans leur dos. That was the last radar vehicle. Great work. Radar vehicle's destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. Take it out. C'est bon. Ok, j'en ai distribué un. Elles sont horribles, mes manœuvres. Mage 2 is shot down.
pas m'énerver. Toi, tu devrais être mort. Target eliminated. Good work. Le message qui dit faut pas que je reste trop dans les nuages. Eh mais t'as vu? T'as vu Lisa? C'est ding ding. C'est américain, c'est hyper bien. Mais attends, parce que sur le prochain jeu, j'ai un autre cockpit pour le jeu de voiture. Accrochez-vous, vous êtes pas prêts. Je vous dis. J'essaie toujours de pousser plus loin mon stream et plus loin en termes de. Voilà, de. Oh merde! Merci. J'espère que vous allez bien. Oh, c'est beau! Dans la musique, elle est tellement chill. Alors que t'es juste en train de faire la guerre. Oh Michel, non, pas ce de rien du tout. Mec, oh putain, oh, oh non. Reach 2 is shot down. Bah oui, mais je sais pas comment utiliser les flares, Michel. Direct. Non, encore, je direct. On dirait Star Wars quand t'as tout le monde qui meurt et tout le monde te crie dans les oreilles. Mais les gars, mourir en silence, moi je fais rien de moi. J'ai fait une belle manœuvre. Allez, ciao Michel. Merde. Non. Voilà. Ça c'est... je dirais pas le bon dieu, mais quelqu'un de haut placé m'a juste dit va te faire enculer avec ton ego surdimensionné. Voilà. Et hey, vous avez vu ça? C'est pas magnifique? Bah oui, non mais... voilà. On va pas commencer à faire des trucs de merde alors qu'on peut faire des trucs formidables. En fait, c'est absurde. Je vois mieux sur le retour de mon stream que... Quoi le boost? Hey, we've got company on the right. Coming up on the back. Let's see what they got. Ok, les flics. Shit, I think I know this cop. Ah, cute. I'm serious. He's bad news. We scored big on this one. There's some prime hunting here. Oh, c'est beau. Re Robin, comme tu peux le voir, on a... Oh merde! Ok, merci. Bonsoir. Visiblement, c'est Jean-Michel, pilote automobile, comme tu peux le constater. En fait, j'ai dû rater voilà, un virage.
essayer de régler ce problème de cadre là, à mon avis. Hein. Quand un problème de Electronic Arts, hein, toi-même tu sais. Ouais, tu m'as tué. Bon, Ouais, non. Ah ouais, d'accord, en fait on arrache tout, on s'en fout. D'accord, ok. Pas les couilles, frère. Caché. Mais oui, mais je sais. Ah, le. Je comprends rien. Pourquoi ils me disent de regarder là avec le joystick droit, c'est trop. Moi, ce que je veux, c'est du boost. Bah ok, la vue elle est cool, mais elle sert à quoi en fait? Waouh. Je m'en bats les couilles de l'histoire. La merde, je déteste la musique. Ok, yeah. Hey, salut Miguel. Come on in. T'inquiète. J'aime beaucoup ton petit pull poivron là. Ça se la raconte là, j'ai l'impression. Hein. Piston 2000, piston 3000, photo avec Vin Diesel, une meuf en chaise roulante. Ah non, pardon. C'est une... Ah, on est sur de la mixité là. Ah oui, on est sur de la belle mixité. Bah, y a un Babtou. De tout. Il y a un Babtou. Je veux dire, là, c'est rien, c'est observation. Et ben, exprès, je vais prendre. Alors, pas le coréen. Attendez. Allez-y, donnez-moi un chiffre ou dites-moi qui choisir. Vous me donnez un chiffre en partant de la gauche, on va dire. 3 soit 4. Allez, bim. 1, 2, 3, 4. Yeah. Je peux lui donner un prénom? Non? Je vais me faire enculer. Out of town, huh? Name's Lucas. How can I help? Where it is, car's out of here. Elle me demande pas mon prénom. I just wanna get out there and race. Wow. Elle a un petit problème de mâchoire, non? Oula. Pourquoi elle marche comme ça? Ça, à mon avis, ça sent la gastro de Noël, ça. Ça, 100% elle a mangé des huîtres. Et obligé. Alors, dans quelle voiture tu veux essuyer tes fesses? Ça, c'est pour les beaufs haut de gamme comme moi. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. Lucas, on va t'appeler Lucas Piment. Je sais que c'est des plumes, mais pour moi, je vois des piments. Alors, je vais t'appeler Lucas Piment. Monsieur Piment. Oh là 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 là, le patriarcat en cours. En fait, ça m'enjaille la musique. Non! Ça, c'est le skill. Ouais, moi j'ai pas le temps, moi. Je passe par les chemins de traverse. Ah, il y a du son, on veut faire la course. Pardon. J'ai une petite cafetière dans la voiture. Parfait. Elle fait mocha, la petite italienne. Non, pardon, elle est allemande. Donc. Je vais vous défoncer. Allez, premier virage. Merde. Non. Voilà. C'est quand je prends trop la confiance. Mais vas-y. Ah, on peut faire ça? On est à la tour. Parce que... Ah oui, d'accord. On arrête de faire de la merde. On va jouer bien. Ah oui, c'est vrai, normalement dans le jeu il pousse apparemment au drift. T'inquiète pas à faire ça par exemple. Moi, tu crois que la voiture elle tourne pas et quand elle tourne trop. C'est absolument génial. Come on, we're only halfway. You can make it up. Ça, ça me ralentit de ouf. On va se la faire à la Grande Turismo en mode freinage d'urgence. D'accord, ça marche pas. Surtout me donner aucun cours pour conduire correctement.
T'as une inspiration ou pas? Ah! Super! Non, mais, juste mes viewers, s'il te plaît. Laisse-moi juste pas devenir dernier. Non! Je crois que j'étais un peu gourmand sur le. Sur les paramètres de. Okay, you're competitive. That's the main thing. Il est beau. On peut pas lui enlever, c'est beau. Make a name. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pas demandé mon nom. Wow, ce drift parfait. J'ai fait ça à la course parce que je suis arrivé à... Thanks for cutting me a deal. Well, maintenance is part of this package. If you have any engine trouble, you hear any odd noises, I'll take care of it. Thanks. As you know where I'll be. Enfin, c'est un... T'es un bulldozer, ma voiture. Elle arrache tout. Y'a rien qui l'arrête. Oh, je suis désolé, on est censé arrêter à 30 normalement. Je vais voir. Been waiting long? It flew by. Cool, let's go. Putain, ça a l'air trop beau de nuit. There's a race down by the beach. You're not the only new face in town. Figure you wanna know how you measure up. Encore 8 minutes de Need for Speed et après on va sur What the Gold. You have his head stuck on their hood somewhere. Dude lost his nerve years ago. Ah, y'a Kenny qui est là. What the shit, Rivera? Think you can put on a race and I won't hear about it? That was the plan, Kenny. Well, I'm here now, and I'm about to give these beginners a little taste of the speed boys. Everything is on fait la course là et après, après le change. You step out on these roads and you're fair game. Ah, c'est là, c'est là. Wow. Is he talking to me? Qu'elle a dit. Évidemment que c'est une V12 16 soupapes, effectivement. Ouais. Et j'ai pris une femme extraordinaire qui met des bonnets en été. Et des petits shorts dégueulasses comme ça. Ah, ok. Mon but c'est que je finisse premier, vous allez voir que l'IA elle va me laisser gagner. Trop Miami, Miami Beach. Encore quand tu dis fictif. Drifter, faut taper un coup en fait, ok, faut mettre un petit coup d'accélérateur en fait pour lâcher et réaccélérer à fond. Pas besoin de freiner. Non. Ok, je suis bon. À mon avis, l'IA, elle m'a laissé gagner. C'est sûr. First night, first win. You got lucky. Est-ce que c'est... voilà. On n'est pas bien là. Thank you.
Bah oui, mais je ne pouvais pas tout faire. Désolé. Je ne pouvais pas tout faire. Je sens. Ouais, non. Non! Chut. Est-ce que je peux passer le trou? Merci, merci. Dommage. C'est pas une casquette de pépé, c'est une casquette de... C'est une casquette de golfeur. Merci pour le... pour le compliment. Le 7 TV. Wow. C'est ce que j'ai trouvé de plus golf. Si vous aviez une autre idée, bah fallait m'en faire part parce que je ne... Ah, balle dans la nuque. Ah, merci, merci le 7 TV pour le... pour l'abo. Moi j'ai tout qui vibre. Mais je peux jouer à un moment ou c'est pas... Ok. Je m'attendais pas du tout à ce genre de jeu. Ok. Mais ils sont pas sérieux. Et me tentez pas à arrêter le jeu pour aller ensuite faire un truc sur Photoshop rapidement et vous ramener un caddie de golf. Hein, parce que je suis encore capable d'aller me chercher un truc en PNG et de le détourner. Allez, non, sérieux. En fait, je pense que je vais d'ailleurs streamer à un moment donné la préparation de mon stream et la préparation de... Voilà, des éléments. Ah oui. Wow. Ce jeu est con, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Non ! Non ! Non, finalement, le jeu est pas du tout frustrant. Hein. Tu comprends que en gros, faut pas suivre ce que faut pas attendre à quelque chose. Accès refusé. Oui. Par contre, ça manque un peu de musique, non, vous trouvez pas? Allez, c'est cadeau. Est-ce que je peux faire un rebond et aller dedans? Non, pas du tout. Oui, c'est bon. Bienvenue dans What the Golf. Oh putain, oh, trop bien. On dirait moi au bureau. Quand je vais à la cuisine pour me prendre un truc à manger. Merci, merci. Le berry, il est pas un peu trop bas. Zoukin, tu veux que je me teste, c'est ça, tu veux. Je peux vous faire un petit what's up. Merde, c'est merde, si vous voulez. Je sais pas si je suis assez bon. Je peux le faire. Je peux augmenter la sensibilité. Je peux augmenter la sensibilité du micro, si vous voulez. Je vous fais un petit what's up. On est ASMR. Oh!
C'est vrai que je pourrais couper la musique du jeu et ne mettre que de la musique, de la mauvaise musique, quoi. C'est vrai, en fait, on se plaint dans la vie. Et ça peut toujours être pire. Est-ce que vous voulez que je continue en ASMR ou je continue de parler comme ça? Mais je l'ai à peine touché! Je vais pas m'énerver. On va faire doucement. On y est là. Ça rage zéro. Moi, je suis hyper content de vivre la vie que j'ai. Je trouve que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Jamais l'idée de me plaindre ne me viendrait à l'idée. Je trouve que l'ultralibéralisme, c'est vraiment c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. Avec Facebook. C'est ça, je suis full gratitude avec le monde qui m'entoure. Et je pense que si t'es pas content dans ta vie, il suffit de traverser la rue. Oh putain, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. C'est dommage que ce petit chapeau là il me suive pas. Ça aurait été vraiment bien. J'aurais dû mettre ma tête sur un corps de. Mais j'ai une idée d'un truc pour le prochain stream de peut-être la semaine prochaine. Je viens de penser à un truc que j'avais avec le fond vert. Je vais jouer avec le fond vert pour faire justement. 4 univers assez pétés et moi intégré bien bien dedans. Vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Wow. Ah ouais, j'ai cheat en fait. J'aurais pu passer par là. J'ai envie de dire pro gamer. Ouais ou pas, en fait. Ils m'ont bien eu. Là, ils vont me dire... Là, je me dis ça va être la même. Ça va pas être la même. Ah si. J'adore, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Est-ce que c'est agréable pour vous de regarder en découvrant comme ça? Je me pose la question, parce que moi c'est marrant de le découvrir, mais est-ce que vous, de le regarder comme ça, c'est... Est-ce que c'est un peu enjaillant ou pas? Ouais. Bah nique ta mère, voilà, tiens. J'aurais dû inventer plusieurs bérets, genre plusieurs couleurs de bérets, ça aurait été vraiment trop bien. Ça se colle, j'en étais sûr, c'était sûr en fait. Non. Safe. Okay. En fait, ils s'en foutent du nombre de tirs que je fais par rapport au golf.
traditionnel où il faut faire le moins de coups possible. Là c'est pas indiqué. Salopard, il est vraiment parti ou pas? Maxime, est-ce que tu es parti? Ok, super, j'ai rien compris. En fait, fallait viser le cœur, mais ça c'était sûr. C'est vraiment drôle ce jeu. C'est la même ou pas? Ok, tout droit. Bonne baignade, Docteur X. What? Ah mais... Allez! Toujours plus loin, plus haut, plus vite. C'est pas possible, c'est japonais ce jeu. J'ai un peu honte, hein, de ce... Allez, tiens, chais. J'ai pas le temps, moi. Donkey Kong, quoi. Ouais, super. Merci. Pardon. Il y a un peu de la tristesse, hein, quand même, en moi. Hein. De pas saisir exactement comment fonctionne le jeu, c'est un peu pénible. Mais non, mais... Faut pas m'énerver. En fait, je suis trop brusque. Mais en vrai, c'est un peu chiant. Hein. Non, je refais pas le même. Une erreur de clic. Ah oui.
comprends très bien le jeu. Avec... Ah, je... ah oui, d'accord. Pourquoi ça sert de mettre des pics? Pas m'énerver. Je sais pas si à la manette ça serait mieux. Allez. Mais non mais ah. En fait faut chier sur le mec. Ok. C'est horrible. Ultra stressant de ouf. Je suis ultra méga stressé. Alors pourquoi je te touche une fois ça marche, mais ah faut pas que je touche la pointe. C'était pas simple. Non, ça va me saouler, ça. Ça, ça va vraiment me saouler. J'ai tellement zéro patience. D'accord, ok. Si vous avez une idée de comment le faire, n'hésitez pas. D'accord, super. Là, je fais un méga tir de la mort. Ça n'a aucun sens. Allez, je vais jouer calmement. Je vois que... Je peux pas en fait tenir plus loin. Genre comme ça. Eh. Merci. Merci, merci. Allez, Fat Koneko for Gamer. What? Ah, d'accord.
Magnifique cette tête de programmeur, Fat Koneko. Hey. Moi je dis je tire tout droit. Pas du tout. Si tout droit mais un pas à droite. Je ne suis pas programmeur mais. Faut applaudir hein. Oh ouais, faut applaudir. Y'a pas de problème. Je vais arrêter de faire nimp. Quoi? En tout cas, merci aux 7 personnes qui restent. Je ne sais pas qui c'est, vu que là on a que 2 personnes qui discutent. On a Maxime et Toto Opoche et Fat Koneko. Et on doit avoir dans le tas normalement quelqu'un d'autre, non? Avoir d'autres personnes. Il me semble qu'on a peut-être le 7 TV qui est encore là, Zoquin et peut-être encore quelqu'un qui s'était. Peut-être que Elios Théo est encore là, je ne sais pas. Oui, j'ai dit Robin, j'ai pas dit Zoquin, pardon. Tiens, chat. Ah, ça marche pas dans le. Ça marche pas des deux côtés du but en fait. Arrêter de faire le débile. D'accord, ça passe pas en fait. Oula, passement de jambe. On est sur un passement de jambe. Non, 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 si, oui. Peut-être un jour je ferai un live FIFA. Non, je rigole. Oh là là, ça c'était sûr, il y a les Michel qui sont là. Live FIFA et on met la BO de Need for Speed de Hit. Parce que ça c'est pas une super idée. Et là j'avais passé Michel. Hein. FIFA Street exactement. Mais en vrai j'ai beaucoup aimé, enfin quand j'étais plus jeune. Avec les copains, on était ados, on adorait jouer à FIFA, on jouait tout le temps à FIFA, ou enfin à PES au début, sur la PS1. Bon, cependant, je me faisais torcher. Là, on va jouer avec le temps. Ça passe, attention. Là, j'étais sûr, j'allais me faire attaquer par là. Attention, feinte. Pas du tout, feinte. Et Mario Football, jamais testé. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. On joue à What the Golf, un jeu qui n'a vraisemblablement rien à voir avec le golf. Ah, si les arbres s'attaquent à moi, ça va poser un léger souci. Non! J'aurais dû ouvrir ça, pourquoi j'ai pas ouvert ça? Le petit coffre. What? Quoi? C'est quoi ça? Pourquoi? Si c'est bon.
pardon. Je vais juste faire un petit clic en espérant que ça passe pas planter le truc. Je montais juste mon chapeau. Ah oui, bah j'étais pas au courant. Ouais. Désolé pour le coffre. C'est quoi cette musique? C'est juste que là j'ai la souris qui... Super, merci. Ah ouais d'accord, en fait ça me stun le... la balle. Super Thibaut, superbe. Je vais pas m'énerver, je vais pas m'énerver. Non! Faut que j'arrête de mettre autant de puissance. Ok, il reste encore un petit quart d'heure de ça et après on va sur This War of Mine. Autre ambiance, hein, je vous le dis direct. Et je vais essayer de survivre pendant les 45 minutes de live. Mais oui, je sais que je mets trop de force. C'est juste que là, tu cliques sur la souris et là, en fait, j'aime pas trop le... Je vois ce qu'ils font, mais... Là, par exemple, dès que je touche un caillou, c'est mort, en fait. Avant j'avais pas ce cooldown avec la balle de foot. Et là si. Ah. Qui disait justement que je pouvais y aller plusieurs fois. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas rentrer? Non, j'avais pas du tout vu l'histoire du ballon de foot. Oh magnifique. Trop bien ce jeu. Oh, non. Faut que j'aille dans le but. Ah non, il y a un filet. J'avoue, c'est très orienté. Pas trop pour les enfants. En fait, lui, c'est censé être un adulte. Hein, c'est censé être le joueur, normalement. Mais c'est plutôt cool, hein, ce jeu, finalement. Au début, je me suis dit, oh, il est au niveau des concepts. Je retire ce que je viens de dire instantanément. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je pensais que les concepts allaient s'épuiser assez rapidement.
qui s'avère que pas trop en fait. Tiens, chien. Je dis ça alors qu'il y a deux secondes, il m'a mis la misère. Non! Non, bah non! Non, non, non. On va arrêter la rigolade, ça m'énerve. Ah mais moquez-vous. Ah bah il faut acheter le jeu. Il faut acheter le jeu ou être un peu malin. Mais je le dis pas. Je ne dirai pas. Bâtard. Non, là c'est sur Steam. Bah tu peux le trouver pour vraiment pas grand chose hein, par contre en ce moment. Les chats faut les éviter là. Ouais bah ça quand même, on défonce quand même les chats hein. C'est pas très cartoon friendly tout ça hein. Elle est facile la cadre, elle est pas belle. Ah oui d'accord, merci, bonsoir. Ah ouais pas mal. J'adore les jeux où faut rien toucher, vachement simple. Bidon, il est pas du tout lourd, ça qui est cool. Pas mal Zoukin, pas mal. Ouah, c'est trop bien. Je dois trouver les trous, j'en suis sûr. D'accord, c'est pas grave. Là, je suis comme Calogero, je suis en apesanteur. Quoi? Je suis sûr qu'il faut faire ça. Pas du tout. Tu roules? Non? Oui? Si? Ouais? Par contre, je suis pas un peu gros là sur l'écran. Ah si, non. Qu'est-ce qu'il fait, Michel? Ah, pas du tout. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que je pense? J'en fais ça. Ça va sur l'autre. Ok. Kerbal Space Program, quoi. Mais ça c'est bon ça. Je me la pète, je m'en bats les couilles. Frère. Ouais bah comme quoi hein. Y'a pas de... hein. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Tiens, voilà. Pas content, ça.
I'm a poor gamer. Ah ouais. Je me pouvais aller ma balle. Ils sont pas sérieux. Petit rebond. Vous avez vu ça? Ça c'est un peu la classe quand même. Celui qui dit que j'ai pas fait exprès, ben il a bien raison. J'ai pas fait exprès. Mais non, ah c'est... Le trou il est pas au bon endroit. Salut Elisa, merci d'être passée, bisous. C'était trop... Ah putain, de nouveau j'ai raté le coffre. Ouais, nous approchons doucement de la dernière session. À 23h15, on joue à des Sword of Mine. Et là on se fait le petit boss. Ça. Après, si je l'avais mis dedans, j'aurais beaucoup rigolé. Ah, c'est vraiment génial. Si je le mets un peu en biais, ouais. Un peu plus simple. Allez, bonne baignade, Docteur X. On voit ma patience et quand on se fout de ma gueule, j'adore. On voit bien. Bon. En fait, je vais mettre vite un coup de poing en fait. Alors, nous allons dorer maintenant partir sur complètement autre chose. Donc, le This War of Mine, c'est voilà une histoire de guerre assez triste, où les mécaniques sont aussi très réalistes, et où il va s'agir justement de gérer la survie de trois personnes dans une maison. Triste, une personne est partie. Nous sommes 5 sur le live. Donc, il y a Pat Koneko, Totoro Poche. Non, je ne ferai pas mourir. En tout cas, donc voilà, on découvre comme ça l'endroit où démarre l'histoire. Je connais les personnages d'ailleurs. Voilà. Ah oui, il est en anglais, super. Alors, quand la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens ont pensé que ça n'était que pour quelques semaines.
Mais les années ont passé depuis que le gouvernement militaire a entouré les rebelles de la capitale, a coupé toutes les lignes de ravitaillement. Donc la population civile est piégée dans la ville et souffre de faim, de maladie et Schelling, je pense que c'est de désespoir. Katia, donc c'est elle, elle a rencontré Pavlé c'est lui à droite, et Bruno au milieu, avant la guerre. Elle avait l'habitude d'être reporter pendant que Bruno, lui, il avait son show de cuisinier, enfin son show télé où il faisait de la cuisine. Et Pavlé, c'était la star d'une équipe de foot qui court vite. Katia l'a même interviewé une fois. Maintenant, ils se sont rencontrés de manière dramatique et regardent vers l'avant pour un abri et à manger. Donc là, on joue les personnages qu'on peut passer avec tabulation. Et on va au départ choisir par déblayer. Ah, c'est l'abri, d'accord. Ok, merci. Ouais, je comprends. Donc là, on va commencer par déblayer ce qu'on peut. Voilà, si on les laisse, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Alors là, on peut pas ouvrir et on va juste déblayer pour essayer de trouver chacun quelque chose qui pourrait peut-être nous permettre de trouver du ravitaillement ou des choses comme ça. Ah ok, il me dit que c'est fermé. Il peut pas descendre par là. Donc là, on voit en haut à gauche, on a le premier jour. Il est 8h du matin. Il fait 22 degrés. Oh, c'est fermé. Ah, c'est fermé, d'accord. Je comprends pourquoi il voulait pas. Attendez, je regarde juste si je peux le mettre en français. Ah, et là, non. Je vais juste le mettre en français pour tout ça. Je vais quand même lire, mais au moins on l'aura dans la langue de Molière. Vraiment, j'adore ce jeu. Je te le montre. Là, il va peut-être fouiller dans les affaires. Et on découvre qu'on a un petit bout de nourriture, des composants. Ouais. Donc, les planches de bois, ça c'est du sucre. On peut faire soit à manger, soit des choses. Soit de l'alcool. L'appareil, c'est des herbes médicinales, il me semble. Ouais, c'est ça. Et pareil, des outils pour fabriquer des choses. Là, par idem, de l'eau. Ok, donc là, ça nous fait une petite base. Je sais pas s'il peut monter. S'il peut monter. En fait, des fois en haut, là, il peut pas l'ouvrir, j'imagine. C'est pas grave. Chercher. Alors eux, ils fouillent pendant assez longtemps parce que malheureusement nous n'avons pas de pelle ou de choses comme ça, donc en gros on doit fouiller dans les décombres au départ pour essayer de trouver de quoi fabriquer des outils. Donc là Pavlé, je le fais faire pas mal de choses parce que ça... Alors il pourra pas y aller là derrière, voilà, faut que lui il ait fini, il va pouvoir aller fouiller. Ah, c'est verrouillé. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au jeu. Vous allez vite vous rendre compte que c'est vraiment pas simple de survivre. Surtout lors des expéditions, il faut vraiment être Ah, j'ai trouvé, ok. Donc là, en fait, ce qui m'indique, c'est que je peux ouvrir la porte parce que j'ai trouvé un nouveau porte. Alors voilà, là on peut fabriquer plusieurs choses. On peut fabriquer des consommables qui permettent de chauffer l'eau. On a des objets ici qui sont hyper importants pour dormir, parce qu'en fait dormir par terre, ils dorment peu. Donc en gros, là il faudrait créer, là au niveau température on a 22 degrés donc ça va, mais on va créer des lits. Je vais essayer d'en fabriquer 3. Il faut les placer. Je vais essayer de les mettre à des endroits un peu, voilà. Lui, il va aller le construire normalement, ouais. Ouais, il faut cliquer sur les portes. Voilà, là il l'a fait, il a ouvert.
Donc je vais pouvoir l'emmener. En fait, il ouvre une seule porte, malheureusement. Et pour ouvrir ces portes-là qui sont barricadées, c'est avec d'autres outils. Donc là, tout le monde est occupé. Je guette toujours l'heure, parce que là, il est 1h de l'après-midi. On a des affaires. Il est probable que la nuit, quelqu'un parte en expédition à l'extérieur de la bâtisse. Et à la fois, si jamais il y a des pilleurs, il faudrait mettre quelqu'un qui monte la garde. Alors lui, il a fini. On va lui faire reconstruire un autre lit. En fait, il y a toujours un en expédition généralement et deux qui partent, deux qui dorment. Donc en fait, enfin, ou du moins un qui dort, un qui garde, un qui monte la garde. Alors là, on peut récupérer l'eau de pluie. Ici, c'est pour faire de l'alcool. Je vais prendre la poêle rudimentaire parce que c'est. Enfin, non, j'avais dit que je ferais un lit. D'abord, fabriquer le lit. Pour que tout le monde puisse dormir. Une fois qu'elle aura fini. Juste à faire ça. D'accord, ok, c'est pas mal. Je vais indiquer la chose. Oui, tu peux. Alors là, en fait, je sais pas pourquoi la nuit décide de sortir, mais c'est à ce moment-là où tu sors de l'endroit où tu es. Et tu vas justement. Faire un peu du. Comment on pourrait appeler ça, bah, aller chercher d'autres éléments, des médicaments, des bandages, des choses que tu peux pas forcément fabriquer. Peut-être. T'as raison. Et Pierrot, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être à cause de ça. Ah, il peut ouvrir les portes là. Alors, elle pourrait faire à manger, mais puisque on a un mec qui est super fort en cuisine, je vais laisser justement ceci. Ouais, là on arrive vers la nuit, donc ça va, on va devoir partir en. Là on voit rien, il n'y a pas de truc, mais à un moment donné vous allez voir en jaune ils vont commencer à indiquer Ah oui c'est vrai. Je vais me déblayer. Ils vont commencer à indiquer justement qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, etc. Là on a un peu d'eau donc ça va mais. Là, j'ai récupéré. Alors là, ils me disent qu'il me manque, oui. Il manque des ingrédients, mais je vais pouvoir préparer à manger. Ce qui va leur permettre de manger, d'assouvir leur faim de manière un peu plus conséquente plutôt que grignoter des choses. Voilà, en prenant le truc de soupe. Ça, je le garde à la personne qui va partir à l'extérieur. La radio. Ouais, je vais quand même en mettre une histoire d'en jaillir un petit peu l'espace. Bon, lui ne fait rien, mais en même temps. En fait, c'est pas le monde que je connais, celui-là, étrangement. Voilà, la nuit. Donc là, on nous propose de choisir qui va partir collecter, qui monte la garde, etc. Alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, ils disent qu'il est légèrement malade, et donc s'il part collecter, même s'il a 12 de trucs, c'est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, si je vais faire partir lui, et là, je dois choisir où. Là, il m'indique quelques nourritures, quantité de matériaux. Voilà. Trouver des choses utiles. Voilà, là on me dit qu'il y a du danger, que potentiellement, etc. Je vais m'assurer de choses et on va aller au cottage bombardé. Je vais partir avec rien pour avoir un sac à dos vide et être sûr que je puisse prendre le maximum d'éléments.
Voilà, donc là, on peut commencer à fouiller. Alors, vous avez vu, il y a une onde autour qui fait que on peut m'entendre. Pour l'instant, je vais tout prendre. Je ferai les tri après si jamais je tombe sur des choses. Ouais, on est vite en rade. Là par exemple, la nourriture c'est tellement essentiel. Là je peux plus prendre de. Je vais prendre de l'eau, on va éviter le sucre. Je vais voir s'ils ont pas des bandages parce que comme il y a quelqu'un qui est malade, si on arrive à trouver des petits médicaments par exemple. Ce qui est bien c'est qu'on peut revenir au cottage pour aller récupérer d'autres éléments. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Je vais devoir sacrifier à mon avis ça. Comme ça je suis sûr de pouvoir prendre des médicaments à base de plantes. Je crois pas trop à l'homéopathie. Ouais bon ça. Alors là vous voyez ici il y a du truc rouge. On peut regarder ce que c'est. Là je vois que c'est un rat seulement. Ah bon, ok, je peux pas l'ouvrir. Je vais descendre dans la cave. Alors le problème c'est que je pourrais déblayer. Le problème, je vais quand même déblayer ici. Ça va prendre un peu de temps. Ah désolé, c'est un peu long. En fait, il faudrait fabriquer une pelle pour pouvoir déblayer deux trois fois plus vite. Oui, je pense que c'est un studio indé. Je peux pas te dire là pour le moment. Mais je crois qu'ils ont fait aussi un autre jeu là récemment qui était vraiment pas mal du tout. Ouais, je sais, c'est long. Par contre, on peut pas passer par exemple le temps qui passe, on peut pas passer. Donc là, mon but en gros, c'est d'arriver avant à mon nez, il va falloir partir. Si je reste là, je vais rentrer épuisé. J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant. Non, on... Ok, super. C'est pas grave. Je vais pas déblayer là parce que c'est trop long. C'est vraiment trop long. Je vais juste partir en fait. Non, il dit il faudrait que j'ai quelque chose, il faudrait que j'ai de quoi m'en occuper, mais il en a pas. Voilà. Voilà, la nuit a été calme, Bruno était chercher des provisions, super. Okay. Donc Pavlé a dormi. Bon, il a faim, il est légèrement malade, c'est-à-dire qu'il peut théoriquement guérir s'il se repose la nuit, etc. Bon, lui, il a aussi faim. On va le laisser le mec manger. Et je vais essayer de préparer quelque chose. J'espère juste qu'il ne va pas. Lui, il a besoin de repos. Mais d'abord, j'aimerais bien le faire manger, justement. Hop. Donc ça, je peux le faire. Il m'en faut juste deux. Légèrement malade. Hop, on va préparer deux soupes. Et là, ça part super vite en fait. Malheureusement.
Ah ouais, d'accord. J'espère juste qu'il boit, il va pas manger les deux. Non, on va essayer de fabriquer des choses. Ah, je vois qu'elle a, elle a dû arrêter. On vient de me dire que les femmes ne sont pas fortes. Ah oui, Moonlighter, voilà, exactement. Que j'ai aussi d'ailleurs dans Epic Game. Sur Epic Game. Peut-être que ça fera partie des... J'ai plein de jeux sur Epic Game que j'ai récupéré gratuitement au fur et à mesure. C'est quasiment sûr qu'on... qu'on en testera. Allez, là c'est encore fermé. Alors, j'aimerais bien essayer de fabriquer ça. Parce que ce petit truc d'outillage là, c'est plutôt pas mal. On peut pas le mettre là. Non, non, dors, 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 je me suis trompé. Ouais, non. C'est pas la peine. Et l'augmenter, je pense que je ne peux pas. En fait, l'amélioration de ça, ça permet vachement des trucs de ouf. Ça permet de barricader notamment par exemple la porte, des choses comme ça, et ça ouais ça c'est quand même très utile. Sauf que là il me faut le bois c'est bon ou pas. Ouais c'est ça. Et il me faut des écrous que je n'ai pas. Donc je me dis bon bah si je veux améliorer ça, il faut juste, si je ne construis rien en parallèle, juste des écrous. Il faut que je garde ça en tête puisque quand je vais refaire. Ah ouais, ici je peux fabriquer une pelle et ça. Là par exemple, le problème c'est que là les écrous, je vais les utiliser. Mon but c'est de tenir jusqu'à minuit sans que tout le monde meure. Ça va être le but de ce live. Et en fait, vraiment ça, ça risque d'être très problématique au bout d'un moment. Je vais juste voir. Katia, ce qu'elle dit. Ah non, pas lui. En fait, le problème, c'est qu'il me sent ton image. Moi, ce que je voulais, c'était faire une amélioration. Et là, je me rends compte que. Ah, 5 sur 8. Je me trompe peut-être. Alors. C'est peut-être l'inverse. Ah oui, j'en ai 8. Ah, pardon, c'est dans l'autre sens. En fait, j'en ai 2 sur 14. Et du bois, j'en ai que 4 sur 7. Donc, en fait, c'est les deux choses les plus communes à trouver. Sauf que là, il m'en faut 12. Et par exemple, le sac à dos fait 12. Donc, je pourrais pas en une nuit récupérer assez, malheureusement. Et ça, ça demande, pareil, beaucoup trop de choses. Et c'est dommage, ça peut réparer des armes à feu, des choses comme ça. Ce qui est quand même assez cool. Donc elle, hop. Vous allez me dire c'est un peu con d'utiliser ça maintenant puisque ça peut être utilisé justement pendant les. J'ai pas fait de peine. Ah c'est peut-être lui qui l'a direct. Il me semblait avoir fait une peine. Il a besoin de repos. Il est genre malade, mais il pourrait quand même se manier. Ah, en fait, j'en ai fait. Ah, en fait, je me suis trompé. J'ai fait deux fois des. Bah oui. J'ai fait deux fois ça. De... C'est pas grave. Voilà. Ça me permettra de. Là, je vais temporiser. Et... Pas de peine pour cette fois. On va mettre toutes les chances de notre côté, on va autant fouiller la maison et on peut y trouver des choses bien plus intéressantes. Je me trompe, on va le savoir tout de suite. Non voilà, on retrouve un truc, on trouve des médicaments. Ça veut dire qu'on peut réouvrir bah là sans avoir perdu quoi que ce soit. Et est-ce qu'ici on avait des choses? Oui on avait un truc. Bon, je vais aller voir ça. Ah. Ok,
on a des livres qui peuvent servir de combustible, de l'eau, du sucre et des plantes. Ok. Bon, je vais juste le faire dormir. Est-ce que l'autre en haut, il a... Je suis pas sûr d'avoir encore de choses pour ouvrir. C'est bien ce qui me semble. Est-ce que j'ai de quoi les fabriquer? Rien n'est moins sûr. Ah, Katia a réussi. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ok, alors ça c'est vachement bien quand vous voulez faire du troc. Il y a des choses de valeur qui sont vraiment trop bien à faire. Alors, ok. J'ai pas, tu peux pas faire de pied de biche, ouais, il manque trop de choses en fait. Ok, c'est pas grave. Je vais quand même. Ah, lui il est déjà reposé. C'est pas grave. Si Bruno va peut-être faire à manger. Ouais, désolé. On va essayer de jouer safe la nuit, histoire de pas faire n'importe quoi non plus. Tiens, les livres, justement. Hop, je vais fabriquer 5 combustibles. Elle veut pas se coucher? Ah oui, je me doute. Ben en fait, c'est bien qu'elle soit comme ça, parce que ça va me permettre, moi, de lui faire monter la garde la nuit. Parce que puisque Pavlé est fatigué et malade, c'est mieux que Bruno reparte en... Ça va couper. C'est la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de faire partir Pavlé, qui est légèrement malade, avec 12. Elle pourrait monter la garde, ou elle pourrait partir collecter. Je pense que c'est ça. Lui, il va vraiment dormir, et lui, il va monter la garde. On va faire ça. Et on va essayer de partir, vu qu'on a déjà été là. L'église, qu'est-ce qui y passe? Ah oui, il y a le prêtre. Alors le prêtre, on peut peut-être négocier avec lui en lui filant ça. Pour le troc. Ah oui, peut-être là aussi. Horrible ce bot. Je ne sais pas pourquoi ce bot a fait cette intervention horrible. Je ne sais pas. Bon, il est où ce prêtre? Je crois qu'il est au sous-sol. Ah, il est là. Ah oui, mais c'est pas grave, Michel. Est-ce que tu veux... T'as besoin de quelque chose que je te donne? Ah oui, pour scier les barreaux. Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, Ah oui, c'est complètement aléatoire, ouais. Ah, une maison ici? J'étais pas du tout au courant. Ah, c'est barricadé de l'autre côté. Ah. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des écrous. Ok, super, merci. Oh là là, mais oui. Je vais éviter de refaire. Ah merde, y a des gens. C'est là.
la merde partout. Faudrait que je revienne avec une pelle. Je vais quand même y aller doucement parce que si je me fais agresser, c'est un peu dangereux. Oui, je suis à la moitié de la nuit là. Ah. Okay. Ah, j'aurais bien voulu me débarrasser de ce que j'ai pris là comme un idiot. Okay. Non, je connais pas du tout. Peur que le mec. Merde. Mais il s'en fout. Mec, t'as une arme dans la main. Et il fait juste flipper en fait le mec. Aimé faire du trog, bon sang. Je sais pas comment rejoindre. Ah oui, bah oui, c'est fermé. Je vais essayer de revenir en arrière. Non, mais. Les bêtes ou quoi ? Ouais, ce que je vais essayer de faire, c'est de retrouver des gens en bas là, peut-être réussir à faire des. Parce qu'avec eux, je peux faire du troc. Non, j'ai pas l'impression. Quoi ? Comment ça est ? Ah, cette zone là. Et si tu t'en vas et que je... Ah ! Pourquoi il a pas voulu me le faire tout à l'heure ? Non, 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 pars pas, Michel ! Reste là, reste là, reste là. Voilà. Si je lui donne tout ça... qu'est-ce qu'il peut me donner ? J'ai à manger, on a du bandage... Ah, il a pas ce que je veux, mais... Ah putain, il veut plus... Et je te donne 1000 trucs là. Pourquoi il râle ? Mais je peux pas lui donner. Mais si je lui donne tout, ça sert à rien. Qu'est-ce qui est si cher comme ça ? Ouais, je suis intéressé. Ouais, j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai là dans le sac à dos ? Ouais, j'ai pas, il reste deux places. Il faudrait que lui il se barre, que je puisse réussir à. Il veut pas. J'essaie de retrouver quelque chose, il passe quasi pas de temps. Est-ce que j'avais des trucs en bas ou pas ? Non, évidemment, tout est fermé. Je vais pas pouvoir rester. Et je crois qu'il faut que je parte. Il faut que je parte avant la fin de la nuit, il me semble. Évidemment, je ne peux pas. Il
Que s'est-il passé durant la nuit? J'ai apporté les bandages. Maintenant, regardons un peu cette blessure. Nous avons été pillés. Quelqu'un est venu pendant la nuit s'emparer de nos affaires par la force. Bruno a été légèrement blessé et évidemment... Ah non, ils nous ont rien piqué. Ah oui, d'accord. Dommage, nous n'avions pas d'armes. Ouais, c'est sûr. Bon, s'il a été légèrement blessé, normalement, ça devrait le faire. Bruno, il était en train de fabriquer un truc. Bah, moi aussi, je mangerais bien quelque chose, j'imagine. Pavlé, il dort. Il a faim. Ah merde. Il a des légères blessures et ça m'emmerde de le bander en fait. Je vais quand même devoir le faire. Il va dormir. Il est pavelé, il peut pas se lever un peu. Putain, on a plus d'eau. Ok. On a plus d'eau. Bah Pavelé, il va venir manger ça. Et elle, elle va dormir. Il va manger et je vais voir si je peux pas construire quelque chose d'utile, genre une pelle. Ah, dommage, ça soit pas cuisiné, là, tu m'étonnes. Tu vas encore bien la dalle, mon pote, je te le dis. Alors, ça, ça permet de forcer les portes avant de... Ah oui. Mais on va fabriquer ça. Parce qu'une pelle, ça va permettre de vraiment déblayer rapidos. Ouais, je sais qu'il me reste 10 minutes. Je vais peut-être aller un chouïa plus loin, mais... Là il manquait quoi pour augmenter le truc? Je pense qu'il manque beaucoup de choses là pour le coup. Et voilà, il me manque 7 bois. 7 bois que je n'ai pas. Je vais voir ce que je peux fabriquer. Je sais plus si je peux fabriquer des remparts pour la maison, il me semble pas. Alors, je peux juste faire du feu. Et là, est-ce que je peux faire autre chose? Je peux faire un. Ouais. Il va falloir que je trouve de la nourriture en fait. Ok, ça marche, c'est pas grave. Je vais quand même lui faire faire ça. Ah non, mais non, pas avec ça. On en a beaucoup trop besoin. Il peut ouvrir en haut. Max, mercredi prochain, on fait du R6, mais on fait pas du R6 classé, on fait du R6 entre nous. Donc, si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à venir. En tout cas, on serait super content que tu viennes jouer avec nous. On sera soit 4, soit 5. Donc, c'est bien. On a tout ouvert. Alors, la nuit. Qui va-t-on envoyer? Non, on va envoyer... on va envoyer lui. Partir collecter, elle va monter la garde et lui va dormir. Et on va aller... Allez. C'était quoi le truc avec le danger? Ouais, c'était là. On va
va partir avec ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. Salut, merci d'être resté. Bonne nuit. On va y aller doucement. Merde, elle m'a vu. Elle m'a vu. Voilà. C'était un échec. Voilà. Je suis revenu de la nuit. J'ai rien pris. On s'en fout que t'es pas des gratinures. Oui, tu pouvais te cacher, mais en fait, si tu te caches, ça t'es caché, mais si te voit rentrer, c'est foutu en fait. Mais je peux toujours pas faire à manger, on n'a pas d'eau. Donc, ça sert à rien. Je pense que je vais vite repartir en expédition. Ouais, je peux rien fabriquer. Je peux pas faire le récupérateur d'eau. J'ai pas assez de bois, j'ai rien. Donc en gros, c'est un peu la merde. Je peux pas faire ça. Et on va repartir la nuit. Non, malheureusement, tu peux pas. Des fois, les gens, ils te tuent pas forcément, en fait. Bon, tout le monde a la dalle, hein, on est bien d'accord. Partir collecter, monter la garde, et puis je vais aller, donc pas là, à la maison, puisque c'est la merde. Ils disent qu'il y a un danger au supermarché, mais je crois que c'est faux. J'ai de l'eau. En fait, les balles ça me sert à rien parce que j'ai pas de flingue, j'ai rien. Je m'en fous, c'est du tabac. Merde, c'est pas ce que je viens de fouiller ça.
d'accord. C'est la merde. Voilà, hop. Voilà le scénario. Jour 5. Pavel est mort. Il a tout laissé sur place, ce con. Voilà. Maintenant, ils ont faim. Et en plus, ils sont tristes. Absolument génial. Bah ouais, bah on a tué Pavel. Ah oui, puis en plus, il est parti avec la pelle. Trop bien. Trop bien. Je pense qu'on va retourner sur place. Au supermarché. Et sur le cadavre, j'espère trouver encore des trucs. La nuit. Voilà, le jeu, j'ai perdu un perso. En fait, je sais pas pourquoi, dans le supermarché, j'étais persuadé qu'il y avait aucun souci. Mais là, en fait, complètement que si. Ah, je récupère ce que Pavel a... C'est déjà ça. Merde, je viens de comprendre. En fait, il fallait utiliser la radio. Ouais, son fils. Je sais pas comment, pourquoi, mais. Je crois avoir compris en fait. Le. Ce qu'il fallait, c'était écouter la radio en fait. Et, dans la... Et à la radio, il devait nous dire si à tel endroit. Parce que là, on voit bien qu'il n'y a plus les. Il n'y a plus les militaires. Il n'y a plus de militaires avec son arme. Donc, probablement que. En fait, j'aurais pu éviter certains endroits et qu'en gros, les endroits sont plus ou moins dangereux. Ah oui, donc le soldat, il a essayé de violer la meuf. Ok, super. Bonne ambiance. Bon, au moins, il y a de la nourriture. Ah ouais, moi aussi c'est pareil. Pareil, j'ai beaucoup de boulot demain. Est-ce que je vais arrêter là? Je me demande un truc. Ouais. Désolé. J'ai fini sur un truc un peu sale, mais je me posais la question si on peut prendre une couverture. Ouais, j'ai un peu merdé là en fait. Ouais, j'ai un peu fait du caca. Mais je voulais plus tester une mécanique de jeu que de générer une once de plaisir quelconque. Oui, alors en fait tu recrutes pas, c'est plutôt les mecs...
les mecs viennent à ta porte et tu peux après leur demander de venir ou pas. En fait, j'ai déjà eu comme ça un cas où une personne est morte et j'ai joué assez longtemps pour qu'il me repropose de nouveaux personnages. Enfin, un seul nouveau personnage. Mais après, je sais que tu peux, dans le jeu-là, avoir plus que trois personnages. Tu peux monter à beaucoup plus. Tu peux monter... tu peux carrément, en fait, faire dans ta maison une sorte de communauté, une sorte d'auberge espagnole, si je peux me permettre. Je sais pas si ça a sauvegardé, je crois que si. Je vais m'arrêter là. Ah, super.